J'ai abordé Frankenstein en partant du problème du corps, c'est-à-dire comment se représenter l'image du corps lorsqu'il est défiguré, lorsqu'il est changé, en un mot, lorsqu'il est monstrueux. J'ai subi une opération des seins et ça a occasionné ce regard très difficile que j'avais sur mon corps. J'ai commencé à lire Frankenstein en me demandant ce que c'était qu'un monstre, qu'est-ce que c'était d'être monstrueux. Et à ce moment-là, en lisant le livre de Mary Shelley, je me suis demandé comment une femme de 19 ans a pu écrire un tel livre. Un livre aussi horrible, aussi difficile d'accès, aussi particulier. Et donc je me suis intéressée à la vie de Mary Shelley et aussi, bien sûr, à la vie de Percy Shelley. Et je dois dire que Percy Shelley a tout emporté parce que son engagement poétique, son engagement politique que j'ai découvert à cette occasion, sa vision de la vie d'alors, il faut savoir que nous sommes donc en 1816, Mary Shelley écrit Frankenstein et Percy Shelley écrit le Prométhée Unbound, le Prométhée délivré, pendant qu'elle-même écrit le Prométhée moderne qui sera le sous-titre du Frankenstein. Donc ce sont ces deux écritures conjuguées qui m'ont interpellée et qui m'ont fait me poser la question d'abord de qu'est-ce que c'est que l'écriture à deux, ensuite qu'est-ce que c'est que cette vie à deux qu'ils ont menée dans l'exil et ils sont partis. J'ai encadré ce récit par ma préface, ce qu'on peut considérer comme une préface du récit de ma propre interrogation, de mon opération, du rapport au corps et comme épilogue, ce qui s'est passé dans la difficulté que j'avais à vivre une vie de femme, d'être humain, tout simplement, par rapport au regard d'un homme dans la sexualité, dans la vie sociale. C'est donc cet ensemble que j'ai essayé d'articuler tout en restant toujours dans l'image des Shelley.